Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Crois-tu? Aujourd'hui, nous recevons un gars de Québec, du moins de la région de Québec, M. Jean-Pierre Cloutier. Jean-Pierre, bienvenue à l'émission Crois-tu? Bonjour, Réjean. Merci de m'accueillir à cette nouvelle émission. Oui, bien, notre formule, c'est témoignage. Alors, on veut entendre un témoignage de conversion que nous appelons. Tu vas nous expliquer certainement ton vécu et nous emmener à cette conversion qui a été pour toi un choc, je vois, un grand changement, un bouleversement dans ta vie. Bien, je pense que pour toute personne qui se convertit vraiment, Réjean, c'est un changement radical de vie. Hein? Tout change dans notre vie, nos désirs, nos ambitions, notre langage, tout prend une nouvelle direction. Et moi, juste avant de faire ce témoignage, je pense toujours à cette parole de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Galates lorsqu'il dit « Lorsqu'il a plu à Dieu de révéler en moi son Fils ». Moi, je pense que ça résume un peu mon témoignage. C'est qu'un jour, il a plu à Dieu de me révéler son Fils. Et c'est ça qui a complètement changé et transformé ma vie. Jean-Pierre, raconte-nous ton histoire. Bien, comme tu l'as dit, Réjean, moi, je suis originaire de la région de Québec. À l'époque, aujourd'hui, Québec, c'est une grande ville. Il y a eu des fusions. Mais à l'époque, c'était toutes des petites municipalités. Moi, j'étais à Montmorency, là où est la chute. Là, je suis né là. Mon père avait fait construire une maison sur le plateau. On était la première maison de cette nouvelle rue, nouveau développement. Et c'est là que j'ai grandi. Et comme je suis né en 1951, donc au siècle passé, c'était très différent. Je pense que les jeunes qui peuvent écouter cette émission auraient de la difficulté à s'imaginer comment on pouvait vivre, même il y a juste 60 ans derrière. C'était différent. Puis, la religion était omniprésente. C'est ça qui était la marque du Québec. En fait, c'était la mainmise de la religion sur tout. Je veux dire, on allait à l'école, c'était des religieux qui nous enseignaient. On allait continuellement aux offices religieux. En fait, les fêtes étaient des fêtes religieuses. Tout était relié à la religion. Donc, ce que j'ai connu de Dieu quand j'étais petit, quand j'ai grandi, ben, ça venait à travers le filtre de la religion, bien sûr. Elle était partout, à l'école, partout, dans les partout. Fêtes. On allait au terrain de jeu, il y avait même l'aumônier du terrain de jeu, pour te dire qu'il n'y avait pas de place où on ne voyait pas une soutane. C'était présent partout. Mais à travers cette religion-là, j'ai quand même appris des choses sur Dieu. J'ai appris qu'il était omniscient, omniprésent, omnipotent. J'ai appris des notions de vérité concernant la personne de Dieu. Puis on me disait aussi que Jésus, c'était le Fils de Dieu qui était venu sur la terre. C'était des vérités qu'on absorbait à travers la religion, mais sur lesquelles on ne prenait pas vraiment le temps de réfléchir. Moi, quand j'étais dans l'adolescence, en fait 10-12 ans, le vendredi après-midi, après l'école, j'allais toujours à la bibliothèque municipale pour chercher des livres. En fait, la plupart du temps, à cet âge-là, c'était des Tintins. Et puis, j'allais changer mon Tintin à tous les vendredis après-midi. Mais à un moment donné, j'étais dans la bibliothèque. Je fouinais un petit peu dans les rayons. J'ai vu un livre, un drôle de livre, qui était assez épais. Je l'ai pris. C'était le pape Jean XXIII qui avait fait un condensé des évangiles. Et il avait écrit ce livre-là. Donc, j'ouvre ça et l'introduction, c'était le prologue de l'évangile de Jean. Et pour la première fois de ma vie, là, je lisais l'évangile de Jean et je me rappelle très bien, Réjean, j'avais 10-12 ans, certains 12 ans à peu près, j'ai été saisi par ce verset qui dit que dans la version que je lisais, ça disait « Et le Verbe s'est fait chair ». Donc, ça voulait dire, moi j'ai saisi que Dieu était venu sur la terre comme un homme. Il s'était fait lui-même homme. Et puis, écoute, cette vérité-là m'a sidéré. J'étais vraiment heureux d'avoir compris ça. Je pensais que j'étais supérieur à tous les autres parce que j'avais compris cette vérité. Une révélation, une lumière. Oui, mais je pense que c'est la première fois que Dieu me touchait. Parce que ce n'était pas juste une lecture ordinaire. Là. Je venais de découvrir quelque chose d'important. Évidemment, on était dans les années 60, donc c'était des années effervescentes. Moi, je me rappelle, la religion prenait de moins en moins de place dans nos vies. Et je me rappelle de ce dimanche soir, lorsqu'un de mes oncles est arrivé chez nous, puis il nous a dit, ce soir, à Ed Sullivan, il y a un groupe là, qui vient de l'Angleterre, je pense qu'il s'appelle les Beatles, là, puis il paraît que ça fait fureur. Aussitôt qu'il a dit ça, moi, je suis allé dans le salon ouvrir la télévision
Et là, j'ai vu les Beatles, et là, ça venait de s'éteindre, je venais de trouver ma religion. Alors, les cheveux ont commencé à me pousser, j'ai commencé à changer mes vêtements. Alors, je rentrais dans les années 60 de plein front, et ça, ça a été mon adolescence, la musique, toutes ces choses-là. Puis, évidemment, quand on vit de même, l'école était vraiment secondaire. J'étais à l'école secondaire, mais c'était vraiment secondaire. Donc, tout ça pour dire, Réjean, qu'à la fin de mes études secondaires, mes notes me permettaient d'aller qu'à un seul endroit. C'était dans un seul cégep qui offrait une seule chose pour moi, le débouché, c'était sciences religieuses et philosophie. Donc, je me retrouve au cégep de Limoilou en sciences religieuses et philosophie à l'âge de peut-être, je ne sais pas, 16, 17 ans, 18 ans peut-être. On va s'arrêter là, si tu veux, Jean-Pierre, et puis on va inviter les gens à écouter la promo qui va suivre. C'est comment, qu'est-ce qu'ils peuvent nous rejoindre sur le site internet croixdessus.ca. Puis j'ai hâte d'entendre la suite de ce témoignage. Le ministère Croix-Dessus est très heureux et enthousiaste de vous inviter sur Zoom en direct tous les samedis 9h30 Canada, 15h30 Europe. Nous vous présenterons des témoignages d'espoir vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel, la Bible, la parole de Dieu et l'assurance d'une vie éternelle en Jésus-Christ. Pour participer à notre réunion Zoom, allez simplement sur notre site web croixdessus.ca et cliquez sur le bouton. Nous vous attendons en grand nombre. Alors, Jean-Pierre, juste avant la pause, tu nous parlais d'un choix de cours que tu devais faire au cégep, philosophie, religion, puis finalement, ce fut quoi le choix? Bien, je suis allé en philosophie, sciences religieuses, mais après quelques mois, je m'ennuyais tellement. J'ai dit, il faut que je parte d'ici, je vais virer fou, tu sais. Puis à l'époque, à cette époque-là, c'était très facile de se trouver un job. Il y avait beaucoup d'emplois, puis... des petits boulots ici, des petits boulots là. Alors, je suis allé me trouver un emploi, puis j'ai arrêté d'aller à l'école. Et alors là, je faisais des petits boulots. J'ai travaillé à l'époque à l'hôpital Saint-Michel-Archange, où je me sentais vraiment chez nous. J'ai travaillé aussi pour les forces armées à Valcartier. Là, je ne me sentais pas tout à fait chez nous. Puis finalement, je me suis dit, je vais-tu faire ça toute ma vie, petit boulot ici, petit boulot là. Et puis là, je me suis rappelé que sur la rue où je demeurais, il y avait un gars qu'on voyait à l'époque, c'était à Télémétropole. Il était annonceur, il faisait les nouvelles. Puis je me disais, hey, ça, c'est une belle job. Tu t'assis, tu fais juste lire. Bon. Et là, je pris des informations. Il y avait un cours d'annonceur radio-télévision qui se donnait à Québec. Je suis allé, je me suis inscrit, j'ai fait le cours. Et quelques temps après, j'ai eu mon premier emploi à la radio CKBM à Montmagny. Et on a eu beaucoup de plaisir. Première station de radio, une petite station de province, puis c'était le fun, on avait une belle ambiance. Tu sais, Réjean, t'as fait la même chose que moi. Oui, on a le même arrière-plan. Oui, puis à un moment donné, je reçois un télégramme de CHRC à Québec qui m'invitait à venir travailler chez eux. Moi, j'étais convaincu que c'était une blague que les gars me faisaient, parce que CHRC, à l'époque, c'était la grosse station, puis travailler là, tu sais, je veux dire, c'était comme l'aboutissement d'une carrière, puis je venais de commencer. C'est comme si ça se pouvait pas. Mais c'était vrai, finalement, on me proposait d'être chroniqueur sportif. Moi qui n'aime pas le sport du tout, qui ne connais rien dans le sport, mais j'ai dit, je vais y aller quand même, puis à un moment donné, je vais m'arranger pour changer. Ça ne marche pas tout à fait comme ça. Mais en fait, je suis allé, puis là encore, à un moment donné, après un certain temps, j'étais tanné, j'ai donné ma démission. Et alors, l'été 73, on était rendu en 73, la mère de Lucie, ma femme, est décédée. Et eux vivaient à Giffard. Aujourd'hui, c'est le Grand Québec, mais c'était une petite municipalité proche de Montmorency. Et pendant que je m'en allais au Salon Mortuaire, il y avait un jeune homme qui venait de Montmorency, qui avait été faire de la musique aux États-Unis et qui s'était converti. Et lui, il était assis derrière, puis il est venu me voir, il était assis à côté de moi, puis il me dit, « Connais-tu Jésus? » Il me dit ça.
Ça que j'ai dit, ben, commence bien la conversation. Oui, il me dit ça comme ça, mais je savais, j'avais entendu à travers les branches, ça courait qu'il s'était converti, qu'il était devenu chrétien bizarre, etc. Donc, il me donne les quatre lois spirituelles de Bill Bright à l'époque, Campus Crusade for Christ. Puis, bon, je m'en vais avec ça. Puis, alors, c'est comme la deuxième fois que le Seigneur m'accroche, là. Tu comprends? Et cette année-là, cet été-là, en plus du deuil de la maman de Lucie, moi, je suis allé travailler, je suis allé remplacer à Mont-Laurier, dans la station de radio là-bas, parce qu'il fallait que je me trouve un emploi. Et ça a été, je dirais, l'été le plus horrible de ma vie. Vraiment, les bas-fonds, je buvais beaucoup, j'étais dépressif, ça n'allait pas. Et finalement, après cet été-là, j'ai fait une application à Sorel CJSO, parce qu'il fallait que je continue à travailler. Et finalement, on m'engage à CJSO pour la programmation d'automne. Donc, j'arrive à Sorel au mois d'août de 1973. Je ne connais personne, je n'ai jamais mis le pied dans cette ville-là. J'arrive à la station, puis c'était la seule place où je pouvais aller, là. Je m'en vais à la station, puis je commence à parler avec les gars, les annonceurs, tout ça. Puis le temps passe, puis à un moment donné, il y en a un qui me demande « Tu couches où à soir? » Je n'avais pas pensé à ça du tout. Là, je dis, c'est vrai, c'est une bonne question. Fait qu'il, il dit « Allez te reconduire à l'hôtel. Il y a un hôtel pas loin. » Puis avant que je descende de son auto, il dit « Es-tu chrétien? » Ben, j'avais une croix dans le cou. Je déboutonne ma chemise, puis je dis, ben regarde, c'est sûr. Regarde le symbole. Fait que là, il commence à me dire, ouais, mais si tu avais un enfant, puis il se faisait frapper, tu te promènerais-tu avec sa photo dans le cou? Là, j'ai dit, ben, je pense que je vais aller me coucher, puis on en parlera une autre fois. C'était un jeune homme, c'était un annonceur qui commençait à être, qui commençait à aller à l'Assemblée, qui entendait l'Évangile, puis il avait décidé que moi, je serais son cobaye, sur qui il ferait ses tests pour voir si, bon. Alors, il m'évangélisait. Et ça n'a pas fini là. Il est devenu mon ami. Puis, on a... Le mercredi, il m'invitait toujours à souper. Moi, j'étais seul. Alors, son épouse était vraiment un cordon bleu. Alors, c'était j'y allais. Mais lui, il m'invitait le mercredi parce qu'après, on allait à l'église. Et là, j'entendais la parole de Dieu. Et finalement, j'étais en contact avec la parole de Dieu, j'étais en contact avec des chrétiens. Puis à un moment donné, il m'a donné un Nouveau Testament, puis il m'a dit, tu devrais lire ça, c'est la parole de Dieu. J'étais à Sorel, j'étais dans mon petit bachelor centre-ville, j'avais pas de télévision, je connaissais personne, donc tout ce que j'avais, c'était du temps, et là, j'avais le Nouveau Testament. Donc, je me suis mis à lire le Nouveau Testament. Et en lisant, je suis arrivé dans l'Évangile de Jean, et j'ai reconnu ce verset sur lequel j'avais été frappé quand j'étais jeune. À la bibliothèque municipale. Exact. La parole est devenue chair. Et là, alors là, je me sentais un peu plus chez nous. Je commençais à faire des liens. Et j'ai continué à lire jusqu'au chapitre 3 de l'Évangile de Jean. Et quand j'arrive au chapitre 3 de l'Évangile de Jean, là, par exemple, là, j'ai pogné quelque chose. Parce que là, ça disait... Si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut ni voir ni entrer dans le royaume de Dieu. Alors là, je me suis dit, c'est important parce que Jésus dit que si on n'est pas une deuxième fois, on ne peut pas ni voir ni entrer dans le royaume de Dieu. Alors je me suis dit, c'est très important, il faut que je naisse de nouveau. Mais je ne savais pas c'était quoi cette histoire-là. Mais je me suis dit aussi, on ne m'a jamais dit ça Tout mon enseignement religieux que j'ai eu dans mon enfance, jamais on m'avait dit que c'était primordial de naître de nouveau. Donc, j'étais un peu bouleversé à savoir que Dieu me disait quelque chose alors que la religion ne me l'avait jamais dit. C'est comme s'il y avait un combat qui s'engrenait maintenant. Là, qu'est-ce qui va gagner? C'est-tu la religion qui avait raison de ne pas me le dire ou si c'est Dieu qui a raison? Alors, ce combat-là a commencé et finalement, il y a eu un aboutissement dont je vais te parler dans un petit instant, Régis. Oui, parce que tu es un habitué, toi, de la télé. Tu sais, il y a une pause qui est là devant nous, fait qu'on va aller vivre ensemble la pause, mais on revient tout de suite avec ton témoignage, Jean-Pierre.
Alors Jean-Pierre, on revient à ce combat entre la religion et ce que la Bible enseigne. Et plus je lisais le Nouveau Testament, plus j'étais confronté à une vérité importante, celle de la conversion. Et je pouvais difficilement comprendre que tous les gens, j'allais à la caisse par exemple, et je voyais tous ces gens autour de moi, si la parole de Dieu était vraie, ça voulait dire que la majorité de ces gens-là étaient perdus. Tu sais, puis j'avais de la difficulté à accepter cette vérité-là, tu sais. Mais finalement, ça a cheminé, puis plus je lisais, plus je découvrais la personne de Jésus et plus j'étais enthousiaste de cette personne-là, de ce qu'il disait, de ce qu'il faisait et de ce qu'il était surtout. Et je commençais à parler aux autres de Jésus, de ce que je découvrais. Et j'en ai parlé à Lucie, on se fréquentait à l'époque, et Lucie était très intéressée, elle avait eu aussi son arrière-plan. Et à un moment donné, il y avait un baptême à l'Assemblée, c'était au mois de janvier 1974. Moi, je travaillais à la radio, puis Lucie était avec moi, puis j'ai dit, il y a un baptême. Le gars qui m'avait parlé, le gars qui m'avait amené à l'hôtel, Jean Clément, il se faisait baptiser. Alors, j'ai dit à Lucie, j'ai dit, aimerais-tu ça voir un baptême de chrétien? Elle dit, ben oui. Alors, elle s'en va, j'appelle à l'Assemblée, quelqu'un vient la chercher, puis elle assiste au baptême, elle entend la prédication de l'Évangile. Il y a un appel et elle reçoit Christ comme son sauveur. Et quand elle revient me voir, elle dit, j'ai la vie éternelle, je suis sauvé, j'ai reçu Jésus comme mon sauveur. Elle me dit ça. Ben, j'ai dit, c'est correct, c'est en plein ça qu'il faut faire. Mais moi, je ne l'ai jamais fait. Moi, je connais intellectuellement l'Évangile, je parle de l'Évangile, mais personnellement, je n'ai pas donné ma vie au Seigneur encore. Et il y a un combat qui va s'installer. On va se marier au mois de juin. Et par la suite, Lucie est vraiment chrétienne. Juste te donner un exemple, Jean, par exemple, le dimanche matin, elle dit qu'il faudrait bien aller à l'église un matin. Puis moi je dis, non, regarde, on ira la semaine prochaine. Tu sais, je remets tout le temps. Je ne veux pas tellement y aller. Je suis en combat, tu sais. Mais je réalise qu'il va falloir qu'à un moment donné, je coupe la corde là, puis que j'abandonne. Et ça s'est passé là. Entre-temps, moi, je cherchais à saisir vraiment c'est quoi la nouvelle naissance. Et j'ai appelé à l'Institut biblique Bethel. Il y avait des cours par correspondance. J'ai fait venir tous les cours qu'il y avait. Je faisais des cours bibliques. Et un soir d'octobre 1974, j'étais en train de faire le cours. Ils ont rencontré le Christ et j'étais à la leçon du malfaiteur mourant. Et là, j'étais en train de découvrir ce qui s'est passé quand Jésus était sur la croix. Il y avait deux bandits de chaque côté de lui qui l'injuriaient jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y en a un qui se tourne vers Jésus et qui lui dit, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et Jésus lui dit, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Là, je réalisais que ce gars-là, c'est un bandit. Il subit la peine capitale. Ce n'est pas un bon gars, là. Mais par contre, il est sauvé. Il a la vie éternelle parce que Jésus, il a dit qu'il va être avec lui dans le paradis. Et là, le cours m'expliquait que ce gars-là, il ne pouvait pas faire grand-chose. Il ne pouvait pas faire des bonnes œuvres. Il était cloué sur une croix. La seule chose qu'il pouvait encore tourner, c'était sa tête. Il s'est tourné vers Jésus, puis il a vu, il a réalisé que cet homme qui mourait à côté de lui, c'était le Fils de Dieu. Et là, c'est comme si, d'une manière, je ne sais pas, je voyais Jésus sur la croix, je le voyais tuméfié, le sang qui coule, il est en train de mourir, et c'est comme si ses yeux me regardaient, puis qu'il me disait, Jean-Pierre, c'est pas assez pour toi, ça. À ce moment-là, là, j'ai vraiment dit, oui, Seigneur, prends-la ma vie, fais ce que tu veux avec moi. Et à partir de ce moment-là, Jésus est devenu mon sauveur. C'était au mois d'octobre de l'année 1974. Et quand je suis arrivé chez nous, je terminais mon chiffre à minuit. Quand je suis arrivé chez nous, il y avait des amis. La porte était fermée de l'appartement. Lucie est venue m'ouvrir et quand elle m'a vu, elle m'a dit, « Toi, il y a quelque chose de changé. » Déjà, ça paraissait dans ma face qu'il y avait quelque chose de changé. C'est tout un changement. Oui, et puis à partir de ce moment-là, tu sais, moi, j'étais à Sorel, puis à l'époque, CJSO Sorel, c'était considéré comme le tremplin des annonceurs pour aller à Montréal faire une carrière dans une grande boîte, une grosse boîte. Mais à partir de ce moment-là, mes ambitions ont toutes changé. C'était Jésus, c'était juste lui. Moi, je voulais parler de Jésus, puis tu sais qu'à la radio, on n'a pas toujours l'occasion d'en parler. Mais moi, je voulais parler de Jésus, je voulais vivre pour Jésus. Mes ambitions ont changé. Finalement, je me suis retrouvé à la Pocatière. Je me suis... à la Pocatière, il y a une assemblée qui a commencé à naître. Il s'est passé des miracles aussi.
Parce que quand on a une vie nouvelle et qu'on marche avec le Seigneur, c'est une vie extraordinaire. Tu sais, quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », la vraie vie, c'est cette vie-là. Et cette vie-là, bien, pour l'avoir, il faut inviter Jésus-Christ comme notre Sauveur et comme notre Seigneur. Et les gens qui nous écoutent, là, les gens, ils sont encore confrontés à cette même vérité, comme moi je l'étais avant de céder. Le combat, à un moment donné, il faut lâcher prise pour lui dire au Seigneur, prends ma vie, parce que, écoute, il l'a payé assez cher, il l'a payé de sa vie. Il a souffert, il est mort, il est ressuscité pour que je lui appartienne. Donc, à un moment donné, je dis, OK, tu as payé vraiment la note, maintenant, je t'appartiens, je reconnais ce fait-là, prends ma vie et fais de moi ce que tu veux. Et c'est ce que le Seigneur a fait. Et moi, je suis persuadé que s'il y a des gens qui nous écoutent et on vit une période troublée présentement, le COVID et tout ça, beaucoup de gens ont perdu beaucoup de choses. Peut-être que vous êtes un peu désespéré, mais moi, je vous dis, il y a de l'espoir. Si vous vous accrochez à la personne de Jésus, comme moi je l'ai fait, je peux vous garantir qu'il va prendre votre vie et qu'il va vous donner une complète autre direction et qu'il va remplir et qu'il va vous donner la vraie vie parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Jean-Pierre, que nos téléspectateurs puissent avoir le même regard que tu as reçu de la part du Seigneur Jésus en mourant sur la croix pour toi de façon très intime, très personnelle. Alors, c'est notre prière que nos téléspectateurs puissent avoir ce regard de la part de Jésus, que c'est pour toi que je meurs aujourd'hui. C'est pour toi que je fais tout cela. Exact. On va une pause, Jean-Pierre, puis on revient avec la conclusion. Le ministère Crois-tu est très heureux et enthousiaste de vous inviter sur Zoom en direct tous les samedis 9h30 Canada, 15h30 Europe. Nous vous présenterons des témoignages d'espoir vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel, la Bible, la parole de Dieu et l'assurance d'une vie éternelle en Jésus-Christ. Pour participer à notre réunion Zoom, allez simplement sur notre site web croistu.ca et cliquez sur le bouton. Nous vous attendons en grand nombre. Jean-Pierre, tu nous as parlé de l'apocatière, mais j'aimerais qu'on puisse en entendre un peu plus, davantage sur ce qui s'est passé à l'apocatière. Bien, il s'est passé bien des choses, Réjean, mais tu sais, quand on dit que Jésus, c'est la vie, c'est une nouvelle vie, c'est pas juste une assurance pour l'éternité, c'est aussi une vie transformée pour maintenant et ici. Je me rappelle, j'étais donc animateur à l'apocatière, j'étais morningman, j'ouvrais la station, et un vendredi, le premier vendredi que j'ai travaillé, il y avait un ruban que je devais mettre en onde. C'était le message de l'évêque, parce que c'était un évêché, là. Et l'évêque était en train de dire que tout le monde qui avait été baptisé était chrétien, puis il n'y avait pas de problème avec ça, tout ça. Et moi, je savais très bien maintenant, j'avais été éclairé par les Écritures, que c'est pas vrai, ça. Pour devenir chrétien, il faut vraiment avoir mis notre confiance en Jésus. C'est pas un baptême, un sacrement qui fait de nous des enfants de Dieu. Alors, je bouillonnais quand j'entendais ça, tu sais. Puis là, j'avais le contrôle. J'ai dit, qu'est-ce que je fais? Quand l'évêque a fini de faire son message, j'ai ouvert mon micro, puis là, j'ai dit, ce que vous venez d'entendre, c'est absolument faux. Puis là, j'ai dit, mais on va vous dire comment on devient des enfants de Dieu. J'avais un évangile de Jean avec moi. J'ai lu, chapitre 1er de Jean. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru, qui croient en lui, qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. J'ai dit, voici comment on devient des enfants de Dieu, en recevant Jésus comme notre Sauveur, en le recevant. Donc, je dis ça, je ferme mon micro, puis je continue mon émission. Et là, j'étais certain que j'attendais l'explosion quelque part. Et l'explosion est arrivée peut-être 2 ou 3 jours plus tard, lorsque la délégation de l'évêché est arrivée à la station pour écouter le ruban de cette émission-là. Et immédiatement après, mon patron m'a appelé pour me dire qu'il n'avait pas engagé un apôtre, il avait engagé un annonceur. Et finalement, on a arrêté de travailler ensemble. Et je suis allé travailler à Rivière-du-Loup. Mais ce qui était merveilleux, Réjean, c'est que mes nouveaux patrons à Rivière-du-Loup étaient en train de racheter la station de l'Apocatière parce que lui, il faisait faillite. Et moi, j'ai dit à mes nouveaux patrons, avec qui j'étais devenu assez copain,
J'ai dit, si vous rachetez la Pocatière, vous me ramenez à la Pocatière. Et finalement, je suis revenu à la Pocatière. Ça, j'ai vu la main de Dieu. C'est Dieu travaille. Dieu contrôle les situations. Et quand je suis revenu, le technicien s'est converti. On a commencé une assemblée. Des gens sont convertis. Et on a loué le sous-sol du bâtiment où était la station. Et c'est devenu le local de l'Assemblée chrétienne de la Pocatière. Pendant plusieurs années, j'ai été là, puis on a évangélisé particulièrement au cégep. Beaucoup de jeunes sont venus au Seigneur. Jean-Pierre, on a tous deux du métier en arrière de la cravate, même si on n'a pas de cravate, mais je te lance un défi. La semaine prochaine, c'est toi qui animes, puis moi, je suis ton invité, Jean-Pierre. Ben, ça me fait plaisir, Jean. Puis, alors, on rappelle aux gens qui écoutent l'émission qu'à l'émission Crois-tu, la semaine prochaine, nous allons entendre le témoignage de l'animateur de l'émission Crois-tu, Régent Joly. Soyez à l'écoute. Hey, merci Jean-Pierre, c'est bon. Puis, si vous voulez nous rejoindre, donc, allez à croistu.ca, c'est notre site internet, CROIS, c'est trait-d'union-tu.ca. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires, nous faire la demande de littérature, faire tout à fait gratuitement, réentendre, revoir nos témoignages qui sont diffusés à 11h30 sur les ondes de Télémag, 9h30 sur Zoom, en allant sur le même site croistu.ca. Alors, c'est un service tout à fait gratuit. On se donne donc rendez-vous la semaine prochaine. Je serai l'invité de Jean-Pierre à l'émission Crois-tu? Thank you.